Alors, c'est un projet qui vise à renforcer la sécurité dans le milieu scolaire. Donc, c'est une expérimentation qu'on va mener avec le conseil régional, le CRIAN, qui est une association qui, avec le conseil régional, avec les établissements du supérieur, avec l'Académie de Normandie et les établissements de recherche. Voilà, c'est un data center mutualisé, donc il y a un réseau régional. Et donc, ça vise effectivement à renforcer la cybersécurité sur ces réseaux et notamment dans le milieu scolaire. Voilà. Donc, l'idée, c'est une association, un partenariat avec Intel, Cosmian, hein, deux sociétés qui ont décidé effectivement, après une intervention, une présentation de leurs solutions au G9, hein, qui sont organisées par l'Agora des DSI, de faire un POC, puisque j'ai trouvé que c'était innovant. Voilà. Donc j'ai convaincu mes partenaires. L'objectif, c'est effectivement renforcer la protection des mineurs. Aujourd'hui, le conseil régional, par exemple, a attribué des micro-ordinateurs aux élèves. Et donc, il faut renforcer la sécurité. On sait que la sécurité, c'est un frein aux usages. Donc l'idée, c'est effectivement de ne pas freiner les usages et se servir de l'intelligence artificielle pour détecter les comportements anormaux. Et en fait, les sources d'informations aujourd'hui sont dispersées. On a les logs des élèves au travers l'établissement, au travers des données qui sont hébergées au conseil régional, les données qui sont hébergées à l'éducation, dans le data center qui est hébergé au CRIAN, et le réseau régional, hein, civique. Et donc, au travers de ces solutions, nous allons essayer effectivement de démontrer que l'intelligence artificielle renforce effectivement la sécurité de ces infrastructures mutualisées. Voilà. L'objectif aussi, c'est faire travailler les chercheurs des deux universités normandes, hein, Caen et Rouen, de manière effectivement à avoir une solution qui soit adaptée au milieu de l'éducation, qui est une population spécifique. On mobilise les moyens humains, hein, les RSSI du CRIAN, le RSSI du Conseil régional, le RSSI de l'Académie de Versailles. On va mobiliser aussi Intel et Cosmian, hein, qui prêtent le matériel, les serveurs et qui nous accompagnent dans cette belle aventure. Voilà. Je trouve que c'est ma manière de travailler en tant que de DSI. Donc, c'est de faire des expérimentations pour vérifier qu'effectivement ces solutions puissent être mises en œuvre. Parce que faire un cahier aujourd'hui des charges, essayer de définir ses besoins, acheter la solution pour s'apercevoir que ça ne correspond pas. Voilà. Je trouve que c'est ma manière de travailler avec les éditeurs et j'ai eu au long de ma carrière, de belles réussites. Eh bien, quelque part, qu'on mette en œuvre sur l'ensemble du territoire de la Normandie, c'est une solution qui serait intégrée à l'offre de services qui est portée par le CRIAN, hein, qui est l'association régionale, avec un data center, et donc une solution qui serait dans le contrat que pourrait passer cette association avec les services publics ou autres qui voudraient se faire héberger dans ce data center mutualisé. Donc voilà, on renforce la sécurité et on fait de l'innovation. Le conseil, je l'ai un peu donné au travers de cette interview en disant, en plus, je veux rappeler le contexte. Hein, l'Académie de Normandie est née le 1er janvier 2020, elle est toute neuve. Hein, donc, j'ai pour mission de fusionner la DSI de Rouen et de Caen. Et qu'est-ce qui est des plus valorisants pour les équipes que de porter de nouveaux projets ?